Faculté des sciences, euh, chers collègues, honorés de, de, de l'université dans quelques instants, chers au pluriel, collègues au pluriel, honorés au pluriel de l'université au singulier, Madame la première adjointe au maire de Montpellier, euh, chère amis Mesdames et Messieurs, vice présidents directeur adjoint, parrain également, donc euh, des deux récipiendaires, directrice également directeur, directeur administratif, euh, chers et chers collègues, chers et cher étudiants. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui, que nous sommes là aujourd'hui, donc, dans le cadre de cette cérémonie le doctorat honoris causa pour honorer deux collègues. Pour honorer deux collègues, alors, j'aurais tendance peut-être à dire enfin honorer deux collègues parce que le contexte sanitaire oblige. On fois dû prendre un petit peu de retard dans une série de manifestations, mais l'essentiel est de pouvoir, eh bien, vous avoir aujourd'hui parmi nous pour vous remettre ce titre de docteur honoris causa. Un petit docteur honoris causa qui tend à valoriser, à remercier des collègues pour service rendu. Alors, c'est la formule, mais service rendu à l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation avec une spécificité. Tantôt la recherche, tantôt la pédagogie, tantôt également les liens qui unissent donc les institutions réciproques dans lesquelles nous œuvrons ou également qui unissent parfois nos deux États. Mais là, je dirais que cette cérémonie de doctorat honoris causa, qui est assez exceptionnelle d'ailleurs au niveau de l'université, puisque des doctorats honoris causa ne pouvant en délivrer que quatre par an, euh, il y a un contrôle donc de la tutelle pour... Vraiment pouvoir sélectionner des collègues donc sur un parcours et sur des partenariats reconnus, cette cérémonie doctorat honoris causa revêt un caractère particulier. D'abord parce que c'est au sein de la faculté des sciences, la plus grande des composantes donc de l'université de Montpellier, mais parce que cela également permet de mettre à l'honneur deux collègues qui dans leurs établissements incarnent des thématiques, incarnent des actions. Qui sont également au cœur de la politique d'établissement. En effet, que ce soit vous, notamment, Monsieur le Professeur Yves Mauvet, et eh bien vous intervenez et votre notoriété, certes, en tant qu'asien chercheur, mais votre notoriété aussi, s'est trouver à renforcer sur les questions de pédagogie, sur les questions de pédagogie, l'évolution donc de la pédagogie par rapport à ce que nous connaissions lorsque nous étions nous-mêmes étudiantes et étudiants. C'est fini maintenant le cours magistral à l'amphi. Des fois, j'ai dit que cours magistral à l'amphi à la crée, mais j'ai vérifié que l'écran a disparu, donc aujourd'hui, ça va. C'est essentiellement une demande donc de nouveaux publics, de nos étudiants, pour aborder la pédagogie de manière différente. Une demande aussi de nos collègues qu'il faut former, donc des fois, il faut même les maintenir en formation pour aborder la question de l'apprentissage par projet, de l'apprentissage par problème. Et ce qui vous anime au quotidien, et eh bien nous l'avons repris au niveau donc de l'université de Montpellier, avec notamment grâce à notre projet Montpellier Université Excellence, la possibilité de pouvoir développer un centre de soutien à l'innovation pédagogique. Aujourd'hui intégré à l'université, hier comme étant légèrement à côté finalement mais quand même dans la Gironde de l'université je salue Jean-Patrick Respo et donc il y a ce lien sur les pédagogies innovantes les pédagogies alternatives qui sont donc au cœur qui au fond de notoriété, et qui sont au cœur de la politique d'établissement et puis sur l'autre récipiendaire vous monsieur le, le professeur Bergeron eh bien vous intervenez dans la thématique de la recherche sur les questions des forêts la question des forêts froides et là aussi, l'Université de Montpellier a la question de l'écologie, de la biodiversité, donc au cœur de ses actions, puisque biodiversité, écologie, eh bien, constituent un des trois piliers aujourd'hui du développement de Montpellier Université Excellence, cette labellisation. Donc finalement, eh bien, cela montre qu'il y a des collègues qui, à l'étranger, travaillent comme nous, mais qui, puisque vous allez être docteur de l'Université, chers collègues, eh bien, seront nos ambassadeurs. Seront nos ambassadeurs, comme l'ont été avant vous d'autres universitaires, comme le seront aussi dans les prochains jours deux autres collègues, puisque eh bien, nous honorerons le professeur Silk et le docteur Mouyembe la semaine prochaine, donc à travers d'autres manifestations. Et finalement, là aussi, cela va permettre de mettre en évidence d'autres communautés scientifiques. En enfin, fait, pour conclure, je dirais que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'université de Montpellier, les cérémonies honoris causa, c'est pas non plus quelque chose qui est récent dans le sens où on fait remonter finalement l'historique des cérémonies de doctorat honoris causa au XVIIe siècle, même si les décrets qui régissent aujourd'hui ces remises de diplômes eh bien sont plus récents. Et c'était initialement justement pour mettre en avant, mettre en avant les liens universitaires unissant donc les différentes communautés. Donc aujourd'hui avec la modernité. De plusieurs siècles, donc, de pratiques, et toujours le, le même but, c'est de reconnaître, reconnaître, donc, celles et ceux avec qui nous travaillons, avec qui nous avons constitué des partenariats forts, en faire des ambassadeurs de l'université de Montpellier, et faire que, dans le futur, vous ayez encore très souvent la volonté de, de venir, donc, à l'université. Je ne veux pas être plus long, je pense que peut être certain de retrouver que je suis déjà long, mais il ne pas encore me le dire. Donc, euh, il n'est pas tradition que le président de l'université fasse l'éloge donc des récipiendaires. Il y a le parrain. En principe, il y a un parrain par candidat, mais là, il y a un parrain pour deux candidats. Donc, vous aurez deux discours d'éloge que vous pourrez noter donc, sur la qualité de, du parrain, version 1, version 2. Mais je vais laisser la parole au, au, au doyen Jean-Michel Marin pour dire également quelques mots en sa qualité de doyen de la Faculté des sciences. En tout cas, c'est un honneur, chers collègues, donc de vous avoir parmi nous. C'est un honneur aussi, je pense, pour le site de Triolet, qui finalement fait venir aussi dans ses murs, rénover, et eh bien des manifestations qui incarnent aussi la tradition donc de l'université française. Et puis, Monsieur le Doyen, c'est également un honneur pour la Faculté des Sciences parce que ces propositions de nomination émanent de la Faculté des Sciences. Chers collègues, merci pour votre présence à vous toutes et à vous tous. Très bonne cérémonie. Merci. Merci beaucoup Philippe. Merci monsieur le président de me donner la parole et euh, de me permettre euh, de euh, rappeler à quel point euh, cette cérémonie est importante pour la faculté des sciences, c'est important pour les deux récipiendaires et de contextualiser un peu euh, ce moment-là. Euh, merci. Donc chers toutes et tous, monsieur le président, Monsieur les vice-présidents, monsieur l'ancien doyen Alain, euh, tu as aussi participé au fait bien sûr que ces deux personnes soient nommées là. Et donc, euh, voilà. Euh, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. Et cette cérémonie, elle va, évidemment, un objectif principal, c'est d'honorer euh, deux éminents et fort sympathiques collègues québécois, donc Yves Bergeron et Yves Mauffette. Deux collègues qui, comme je vais essayer de le démontrer euh, dans un instant, ont un impact, et je ne veux pas parler au passé, ils ont encore un impact très important à la fois sur l'offre de formation de la faculté des sciences et aussi le rayonnement recherche de l'Université de Montpellier. Philippe l'a dit, euh, le président Roger, et euh, je vais le rappeler un petit peu. Cette cérémonie, c'est aussi euh, l'occasion d'apporter de la visibilité à la faculté des sciences euh, au moment où sa direction, avec l'appui de ses services administratifs très efficaces, je dois le dire, merci aux services hein, qui ont mis en place cette cérémonie, à la fois de l'université et de la faculté des sciences, et bien, la direction, avec l'appui des services administratifs, elle œuvre pour consolider euh, l'identité de la faculté des sciences et le sentiment d'appartenance de ses personnels. Euh, avec plus de 8000 étudiants, euh, plus de 190 parcours de formation, une très grande diversité thématique, la faculté des sciences est un joyau, j'ose le dire, un joyau dont on prend soin, et euh, grand soin, et on s'y attelle. Alain, il y a beaucoup œuvré, je continue, on est beaucoup aidé, euh, tous les collègues. Et aujourd'hui, grâce à nos deux amis québécois, c'est plus particulièrement son département de biologie écologique qui est à l'honneur. Et euh, je dois dire que ce département-là est un des plus attractifs, si ce n'est le plus attractif de la faculté des sciences. Les parcours qu'il propose... En licence, permettant en trois ans l'acquisition de connaissances fondamentales en biologie des organismes, en écologie, en évolution, avec une part très importante de travaux dirigés tout au long de la formation. Ça j'y tiens. On a maintenu des travaux dirigés pour avoir une offre de formation de grande qualité. Et il y a un parcours un petit peu particulier qui s'appelle le parcours biologie en approche par problème, récemment créé. Donc merci Bernard, merci Adam. Merci Jean-Patrick, merci Patricia, bien sûr, et merci à tous ceux, et évidemment merci à Yves, Yves Moffett, qui a, le professeur Moffet qui a été à l'initiative de ça, mais je reviendrai un petit peu là-dessus aujourd'hui, où les séances, les séances dans ce parcours sont majoritairement des tutorats et des TP, et il a pour vocation de permettre l'acquisition d'un socle de compétences en biologie tout en développant et valorisant des compétences transversales. Je reviendrai un petit peu là-dessus et je pense que c'est très important. Et donc oui, le département de biologie et écologie de la Faculté des sciences est au cœur de l'innovation pédagogique. Et quoi de plus naturel que nous honorions le professeur Yves Moffet aujourd'hui pour ça. Aussi, avec ses 17 parcours de master répartis dans trois mentions, autour de la biodiversité, de l'écologie, de l'évolution, de la paléoécologie, des maladies parasitaires et infectieuses, des territoires, du développement durable de l'écoépidémiologie, le département biologie-écologie offre un enseignement adossé à la recherche. Et ça, c'est très important. Il y a six principaux laboratoires d'appui, les plus gros re regroupant plus de 100 chercheurs et enseignants-chercheurs. Et parmi ces six principaux laboratoires, dont deux laboratoires d'écologie et d'évolution, avec une renommée au niveau international très importante, l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, l'ISEM, et le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Mais il y a bien d'autres euh, laboratoires, un laboratoire qui regroupe la plupart des chercheurs en biologie et écologie lagunaire et marine, le laboratoire Marbec, le laboratoire Milegec, qui est euh, un laboratoire euh, autour, euh, à l'interface entre santé, écologie évolution, où euh, on étudie l'écologie et l'évolution des agents pathogènes et des vecteurs. Il y a le laboratoire Ecosol et le laboratoire AMAP. Ces laboratoires sont tous des unités de recherche associées à l'Université de Montpellier et CNRS, et certains d'entre eux, en fonction des thématiques, associent aussi d'autres acteurs de la recherche sur le site, que sont l'IRD, l'INRAE, l'IFREMER, le CIRAD. D'autres acteurs contribuent aux formations. Le tissu scientifique autour de Montpellier est très dense dans le domaine de la biodiversité et de l'agronomie. Et oui, le département biologie écologie de la faculté des sciences est un acteur majeur de la recherche en écologie à Montpellier. Et quoi de plus naturel que nous en aurions aujourd'hui, le professeur Yves Bergeron Bon, alors là, j'ai une note, c'est un bon discours, où je m'adresse à moi-même. Attention, tu es trop corporate, Jean-Michel. Oh, Reviens <laughs> revient, voilà, ça c'est pour faire plaisir au président aussi, la note, hein, voilà. revient à l'essentiel, nos deux scientifiques qu'on aurait aujourd'hui, et je vais le faire, bien sûr, je ne vais pas rester que corporate, monsieur le président. Mais c'est important de rappeler la place de la faculté des sciences au sein de l'université et la place majeure de son département de biologie et écologie au sein de la faculté des sciences. Donc, cher Yves, cher professeur Moffet. Vous, le grand spécialiste de l'apprentissage actif, le chantre du développement et de la promotion de l'approche par problème, merci d'être ici. Voilà. L'APP, donc pour approche par problème, est une approche pédagogique qui a été utilisée pour la première fois au Canada dans les années 60 à l'université McMaster en Ontario, si je ne dis pas de bêtises. Il faut me corriger, cher professeur Moffett, je suis un peu béotien de ces pratiques, même si j'entends parler depuis bien longtemps de l'APP Grâce à tous les gens qui sont là aujourd'hui. L'ensemble du programme de médecine reposait sur cette approche. Alors, j'ose dire, l'ennui des étudiants, leur incapacité à appliquer les connaissances théoriques dans le contexte clinique et le manque de compétences professionnelles des nouveaux diplômés fut à l'origine de ce changement d'approche pédagogique. Depuis les années 60, la PP a évolué et s'est transformée. Alors, je ne vais pas me risquer à la définir, juste indiquer que les élèves sont confrontés à un problème complexe qui nécessite différentes connaissances pour être issus de diverses disciplines et problèmes qui n'a probablement pas une solution unique. Et c'est dans ce contexte dans lequel l'élève est actif et que l'apprentissage s'effectue et que les compétences se développent. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Mon regard de béotien m'autorise également à envisager l'approche par compétences comme une porte ouverte à l'interdisciplinarité. Et ça, c'est très important. Pourquoi Parce que dans le contexte de la faculté des sciences, un objectif majeur pour notre faculté dans la construction de son offre de formation qu'on va appeler dans quelques années le LMD6, un des objectifs que nous sommes fixés, c'est de faire de la transition environnementale notre enjeu et notre principal enjeu interdisciplinaire, en mobilisant nombre de compétences de la faculté des sciences qui, de par son spectre disciplinaire, peut se permettre ce genre de, de mobilisation pour appréhender la complexité. Oui, le monde est complexe, les changements climatiques font appel à de nombreuses disciplines pour mieux les comprendre, éclairer les décisions et proposer des solutions. Et dans ce contexte-là, l'APP sera selon moi déterminante. Donc merci Yves, merci professeur Moffett d'avoir beaucoup, beaucoup contribué à l'échelle internationale à la mise en avant de ce nouveau mode d'apprentissage qui, dans un contexte interdisciplinaire, va, selon moi, trouver une place extrêmement privilégiée. Cher Yves, cher professeur Bergeron, vous, l'éminent spécialiste des forêts froides, l'écologue de terrain, je le dis, le grand défenseur de l'environnement, merci, vous aussi, euh, d'être ici. Déployée sur le Canada, la Scandinavie, la Russie, l'Alaska, la forêt froide qu'on appelle aussi boréale, est fragilisée par les incendies, la fonte du permafrost, les épidémies d'insectes rendues plus virulentes par les températures plus douces. Donc vous voyez le problème. Cette forêt, dont le, nom de Boré, dont le nom vient de Boré, le titan de la mythologie grecque qui personnifie le vent du nord, couvre 10 des terres émergées et a une influence déterminante sur les océans du Nord, du globe et sur le climat mondial. Avec plus d'un milliard d'hectares, c'est la plus vaste étendue sauvage au monde. Elle freine le réchauffement en absorbant une part importante du dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère. Au total, elle stocke deux fois plus de carbone que l'ensemble des forêts tropicales. C'est très important, elle joue un rôle crucial sur le climat de la planète. Depuis toujours, la forêt boréale, où l'intrusion de l'homme est limitée par des conditions extrêmes, subit des perturbations naturelles. Mais aujourd'hui, on s'inquiète, et vous particulièrement, professeur Bergeron, de les voir se produire plus souvent, voire devenir la nouvelle norme. J'ai lu quelques-uns de vos travaux, je lisais encore hier, sur à quel point l'utilisation des données maintenant et la prise en compte des données vous permet de vous rendre compte à quel point les menaces sont grandes de voir se détruire ces forêts. En Alberta, en 2016, un feu gigantesque un mur de flammes, des nuages de fumée, une visibilité réduite sur des kilomètres, et au milieu, près de 90 000 habitants qui tentaient de fuir dans le chaos par l'unique route d'accès. Cet incendie reste la plus grosse catastrophe de l'histoire du Canada, avec plus de 2500 bâtiments détruits. Un traumatisme dans votre pays qui a vu pour la première fois ses habitants être directement percutés par les conséquences du réchauffement climatique sur les forêts boréales. Je vais être positif. Hein. <laughs> Aujourd'hui, ces méga feux se multiplient au Canada ou en Sibérie, ils sont l'un des plus grands dangers pour la forêt du Nord, et chacun comprendra que fournir au monde des outils pour les comprendre, les analyser, les contenir est indispensable à l'avenir de l'humanité. Donc, merci Yves de travailler sur ces sujets et pour vos travaux. Écoutez, je crois que je suis un peu long, peut-être. Bon, donc, il est temps pour moi de, de passer la parole. Je tenais à recontextualiser un petit peu cette remise de docteur Honoris Causa à l'échelle de la Faculté des sciences de l'université, mais aussi de la planète, vous l'aurez compris. Et je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à mon avis, Adam, vice-doyen de la Faculté des sciences, qui saura, en n'en pas douter, mieux que je ne l'ai fait, mettre en valeur votre impact sur notre faculté, sur l'Université de Montpellier, et pourra peut-être, c'est son ambition, faire preuve d'humour. C'est ce, ce qu'il a promis hier soir. Donc, Écoutons-le. Merci de votre attention. Très bien. Bon, ben, euh, merci. Hein, et bon, je ne voulais pas vous faire un cours sur la forêt boréale aujourd'hui. Bon, euh, J'ai laissé ça à mon collègue, je dirais. Donc, <laughs> donc euh, euh, monsieur le président de l'Université de Montpellier, monsieur le doyen de la Faculté des Sciences, euh, chers et chers collègues, euh, chers étudiants et chères, euh, chères étudiantes et chers étudiants, mesdames, messieurs, donc, euh, donc petit avertissement donc, euh, à l'auditoire. Donc, je vais, euh, afin d'honorer nos hôtes et notamment, euh, je suis tombé en amour avec le Québec. Donc, euh, pour ça, donc, je vais, euh, grâce notamment à l'aide de, de complices, euh, utiliser quelques mots euh, donc québécois dans mon dans mon discours afin finalement de de faire baisser un peu le caractère euh, trop solennel de cette euh, de cette cérémonie. Donc, euh, cher Yves, donc là je vais commencer donc par euh, honorer euh, Yves Maufette. Donc, chez Yves, donc c'est définitivement donc un honneur pour moi euh, de parrainer celui que je considère comme un des plus grands boss de la pédagogie euh, universitaire. Donc, euh, mon humble mission aujourd'hui, c'est de te euh, chanter donc la pomme, comme euh, on le dit, euh, je dirais, de façon euh, élégante donc au Québec. <laughs> Et donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est une, une période assez euh, assez émouvante pour moi dans la mesure où euh, ça fait plusieurs années que je, euh, que je souhaite euh, mettre en avant. Finalement, une certaine euh, forme de pédagogie euh, innovante, euh, différente. Et euh, depuis quelques années, euh, j'ai essayé, donc, au sein de mon département, de, de promouvoir donc cette nouvelle approche pédagogique. Euh, avant de commencer, donc, je tiens à, à remercier donc euh, le président et l'université de Montpellier. D'avoir accepté euh, de décerner ce titre de donc de docteur Honoris Causa, donc à mon tueur, mes collègues, euh, le professeur Yves Moffett. Euh, monsieur le Président, vous me permettrez également donc de dire que euh, la faculté des sciences euh, de l'université de Montpellier euh, ne touche particulièrement plus euh, terre d'accueillir dans ses murs euh, le professeur Yves Moffett. Donc toute la gang donc de la faculté des sciences a soutenu cette application et je tiens ici à tout simplement et spécialement à remercier le professeur donc Jean-Patrick Crespo qui a œuvré dès le départ à cette reconnaissance donc j'y viendrai un peu plus tard Eh bien mon cher Yves donc euh, euh, je dois donc ici t'honorer. donc euh, je tiens à rappeler que le titre de docteur Honoris Causa peut être décerné comme l'a souligné le Monsieur le Président à des personnalités donc de nationalité étrangère euh, en raison des services éminents euh, rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques à la France ou à l'établissement qui décerne ce titre. Donc euh, c'est très important de le rappeler ici. Donc euh, euh, je ne vais pas ici donc euh, euh, divulguer euh, ton CV. Mais euh je veux juste te rappeler que tu es euh, professeur donc de biologie à l'université donc euh, du Québec à Montréal donc euh, à l'UQAM depuis 1986. Donc et euh, que tu focuses donc tes interactions euh, au niveau plantes-insectes. OK. Donc comme tout bon professeur d'université, donc tu adores enseigner, mais très rapidement, tu t'es vu te transformer en un perroquet. Et euh, car bien évidemment euh, enseigner, donc c'est souvent euh, radoté, donc là je te cite. Et néanmoins, donc bien qu'épeuré par cette perspective de devenir un oiseau à gros bec, tu t'es lancé dans euh, la recherche de nouvelles façons d'enseigner à l'université. Donc tu as consacré donc une bonne euh, partie euh, de ta carrière à innover, à proposer de nouvelles approches pédagogiques super swag, dont l'épicentre pour les initiés, donc comme l'a rappelé euh, le doyen donc de la faculté des sciences, l'APP donc l'approche par problème ou par projet, euh, une pédagogie active euh, centrée sur le jeune. Donc euh, cette recherche dans le domaine de la pédagogie s'est soldée en 2004 par l'obtention du prix d'excellence en enseignement de l'université du Québec, du prix troisième pour l'excellence en enseignement attribué à la société pour l'avancement de la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Donc à partir de là, plusieurs universités et écoles, over the world, ont fait appel à tes skills et conseils pour implanter cette pédagogie au sein de leurs institutions. Tu es donc un grand voyageur, mon cher ami. Et faisons un petit détour sur l'épisode du compostage. En effet, c'est pas toujours facile de rouler sa bosse à l'étranger, cher, cher Yves. On a tous connu un pays où on comprend rien ou très peu, même si on peut avoir des pancartes qui nous aident. Donc, pour un Québécois en France, généralement, c'est assez facile. On a les pancartes, on a plus ou moins les mêmes, les mêmes repères. À quelques détails près, on dit déviation et pas détour, par exemple. Pour le train, bon, c'est plus facile. Quoique. Et le problème vient du compostage. Il faut composter son ticket. Ben oui, ça paraît bête quand même de composter un billet alors qu'on vient juste de payer. Et d'abord, comment le composter? Où est la bac à vidange? Où est la poubelle pour faire du compostage? Et en plus, c'est quelque chose de sérieux quand même. Compostage, le recyclage, le développement durable. Et en plus, dans le parlant, on vous dit il faut que votre billet soit composté pour être validé. Et comment composter, validé Si je mets mon ticket dans la poubelle, c'est compliqué. Mais bon, grand moment de solitude pour toi. Tu nous as raconté cet épisode sur 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 le compostage du, du ticket de train. Donc nous aussi à Montpellier, nous avons eu la chance de bénéficier sur le temps long de tes lumières, Yves, car moi aussi j'ai eu peur, comme j'ai pu l'indiquer quelques années après, donc de, de me transformer en, en un oiseau à gros bec. Donc c'est pour ça qu'en 2015, donc j'ai pris contact avec toi par l'intermédiaire de Yves Bergeron. Il faut juste comprendre que Yves Moffet et Yves Bergeron sont les meilleurs amis du monde. Donc euh, je te contacte pour qu'on puisse jaser de notre phobie commune. Et, et, euh, et je pourrais donc, comment je pourrais convaincre pardon mon département d'emprunter et expérimenter cette pédagogie active Donc, nous avons échafaudé un petit plan aux petits oignons. Okay première étape, tu m'as dit, il faut que tu trouves dans ton département euh, des collègues qui seraient susceptibles de t'écouter sans te prendre pour un illuminé. Donc, première étape. Et là, deux collègues, en particulier, euh, euh, ont trouvé ça intéressant. Donc là, euh, c'est Patricia Cookie, ici présente, et Bernard Godal. Donc eux, ils ne m'ont pas pris pour un illuminé. C'est déjà pas mal. Deuxième étape, il faut trouver donc du soutien au niveau de la direction de l'université. Et là, j'avais quand même un agent infiltré Jean-Patrick Crespo. Donc euh, Jean-Patrick, donc je lui raconte également mon idée. Il me dit bon, écoute, euh, ok, bon, il faudra candidater au projet Muse dédié à la pédagogie. Merci Takeoff, Il nous a grandement aidé sur, euh, sur cette approche. Et la troisième étape, me dit Yves, il faut que tu ramènes des, tu ramènes des collègues de montpellier à Lucan pour leur montrer l'APP en action, etc. Et donc euh, la preuve donc du pudding, donc je les amène. En 2018, Patricia, Bernard, donc Jean-Patrick et moi, à Lucam, passons un séjour avec des euh, allures de douche écossaise parfois. Et je veux vous raconter pourquoi. Même si on était à Lucam et pas à McGill, on assiste à des moments de grâce où on voit avec un grand bonheur des étudiants actifs qui échangent entre eux, mais qui nous font, euh, font un peu peur à cause de leurs, je dirais, des erreurs qu'ils font. Mais c'est pas un problème. Je pense qu'on peut faire des erreurs quand on enseigne, c'est pas, un, en tout cas, quand on apprend, c'est pas un souci. On aurait tellement envie de les corriger, d'essayer de, de les, de les, de les mettre sur la, la bonne voie, leur, leur professer la bonne parole. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, à la pépé. C'est par la discussion entre les étudiants qu'ils parviennent à la bonne solution. Donc, l'enseignant est un tuteur et euh, se contente d'écouter et de les aiguiller avec des petites questions, des petites orientations dans la bonne direction. donc, tout ce travail en amont est bien préparé, notamment donc à ces fameux prosites, ces euh, problèmes, situations. et donc, les étudiants doivent élaborer des hypothèses, comme on a pu le rappeler, tester, donc faire des lectures, et donc ici, euh, l'enseignant n'est pas uniquement un lecteur, donc qui délivre ses connaissances euh, de façon passive et euh, finit son cours et repart. Donc je vous ai parlé de douche écossaise parce qu'il y a eu aussi un moment de solitude quand on était à Lucam. Euh, Bernard qui demande à un collègue de Lucam, donc Pierre Drapeau, s'il pourrait recruter des étudiants de l'université de Montpellier. Et là, Pierre Drapeau nous dit tranquillement, non. Et là, on est choqué. On dit, mais pourquoi Il me dit, mais euh, ah ben, vos étudiants, ils sont, euh, ils ont plein, je dirais, dans la tête, mais ils savent rien faire. Donc, quand ils sont face à un problème, donc ils se retrouvent finalement complètement désarçonnés. Et dans ce cas-là, véritablement, ce sont pas, je dirais, des qualités que nous euh, on préconise justement à euh, Lucam. Donc là un grand moment de solitude donc je vois donc Bernard euh, dans ses yeux euh, qui euh, qui panique et qui nous dit bon comment on va faire nos étudiants sont pas euh, des, des étudiants très qualifiés pour faire de, notamment des doctorats donc Yves à partir de là donc tu nous as encouragé prodigué sans cesse des conseils élaboré avec nous donc ces fameux ateliers d'écriture donc pour la licence en APP donc tu étais encore là hier avec des étudiants pour essayer justement donc encore parfaire finalement leur apprentissage. Donc aussi, euh, je tiens à remercier donc euh, le centre donc le, le, le euh, CSIP donc avec Brigitte Landin, qui a aussi œuvré pour que cette pédagogie puisse être, je dirais, implantée à l'université de Montpellier. Donc euh, nous avons aussi euh, réussi notamment au, autour du master bois à faire en sorte que cette pédagogie soit également au centre de la formation du master bois. Donc cette pédagogie active, qui est défendue actuellement dans le master bois par d'autres collègues, donc Sandrine Bardet, Juliette Siano et Bruno Claire. Donc euh, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Donc je pense que j'ai été assez long, je risque de vous endormir. Euh, nous sommes en plein déploiement du LMD 5 et euh, on voit déjà le LMD 6 arriver. Et euh, au final, donc euh, une nouvelle approche euh, s'offre à nous, qui est l'approche par compétence. Et là, je, je suis intimement convaincu que l'APP et l'approche par compétence, on parle d'une même voie, et qu'à travers, finalement, euh, je dirais, euh, cette approche, nous serons à même de faire cette, ce virage pédagogique autour de l'approche par compétence. Donc, euh, très cher Yves, donc c'est véritablement... Euh, Naturel et un honneur pour nous, donc ici à l'université de Montpellier, de te décerner ce titre donc de docteur de Honoris Causa en raison des services éminents que tu as rendus à notre établissement dans le domaine de la pédagogie, en t'impliquant sans faille dans la transformation de celle-ci. Merci beaucoup, merci beaucoup, Yves, et bienvenue à l'université de Montpellier. C'était un peu grand et J'ai voilà. quand même vérifié. Même oui, je... sa lunette, ça va. Voilà, donc nous faisons le docteur Honoris Causa de l'Université de Montpellier. Et pour la photo officielle, on va tous tenir le diplôme. Je vais prendre ça. Merci. Il y on... d'ailleurs, après le discours, c'est plus commode. Ça fait... ouais. voilà. Avant de débuter, euh, je voudrais juste préciser que tous les Québécois ne s'appellent pas Yves. Euh, je, je voudrais vous rassurer euh, sur ce point. Euh, la pédagogie, pourquoi pas? Euh, c'est un peu le titre que je veux donner. Je, euh, je m'abstiendrai de faire des québécoises parce que c'est des ce que je vais vous faire en partie. Que, euh, donc, soyez conscients. Les enjeux de la formation, pour qui, pourquoi et défis du comment? Avant tout, avant de passer à tout ce protocole, Monsieur le Président, et ensuite, je serai, je sais que j'ai une longue liste de personnes, je vais tout simplement dire, chers collègues, aux étudiants, parce que c'est le mentor de l'université et la reconnaissance de l'université de Montpellier qu'elle me témoigne dans cet honneur de recevoir. Je vous dis un gros, gros merci et ça vient du cœur. Alors, c'est un départ d'enseignant. Euh, juste pour euh, que vous soyez conscients, je suis le jeune enseignant qui arrive et évidemment, je consulte un de mes collègues euh, de savoir qu'est-ce qui est un bon prof à condition de vivre au-delà de la centième année. Alors ça, ça m'a fait un peu peur de débuter ma carrière et on arrive comme enseignant chercheur et vous savez, on a toujours trois tâches dans l'université. On a une tâche administrative, on a une tâche d'enseignement et on a une tâche de recherche. Euh, la recherche, évidemment, c'est la base, mais on peut imaginer qu'on peut s'orienter. Et je l'ai fait très tôt dans ma carrière, dès les années 90, vers la pédagogie. Et pour nous, qui ne sont pas formés en pédagogie, c'est une tour de Babel. C'est incroyable. Et je peux vous dire que, dans un premier temps, quand on a réfléchi à former nous, c'est un bac au lieu d'une licence, avec les collègues, le programme de trois ans avait pris une proportion de dix ans. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, on veut tout mettre tous les profs veulent mettre leur savoir dans cette formation. Et on doit faire des choix. D'ailleurs, l'administration avait été très claire en disant, non, pas dix ans, ce sera trois ans. Alors, c'est cette tour de Babel à construire et à repenser. Mais l'enjeu, et, et je pense que c'est important à, à considérer, trois thématiques qui nous sont chères, savoir, savoir-faire, savoir-être. Et je pense que qu'on doit aussi réfléchir sur le savoir-agir. Le savoir agir, c'est la compétence de base. Agir dans une nouvelle situation, quoi faire? Et c'est pour ça que quand on parle de compétence, essentiellement, c'est le savoir agir. Agir dans une nouvelle situation, agir dans un nouveau moment, c'est fo la force de ces trois savoirs qui précèdent. Par contre, on a un regard aussi, j'emploie le terme hard skills, c'est le contenu. On peut parler de soft skills, on parle surtout de compétences transversales, créativité, adaptabilité. Et vous savez, quand vous regardez le marché d'emploi, c'est surtout les compétences transversales qu'on considère avant tout. Le contenu viendra s'acquérir, si nécessaire, dans certaines entreprises. Je ne nie pas le contenu. Le contenu, c'est la base, c'est son démarrage, mais l'amélioration et son développement se ferait plus tard. Et donner un sens à qui ben, on sait que les étudiants aujourd'hui, euh, en certains cas, il y a un intérêt plus ou moins. Beauf, bon, pourquoi je vois mon cours ben, Mes parents m'ont dit d'aller à l'université. Je pense qu'il faut donner un sens du pourquoi à nos étudiants dans leur apprentissage. Pour les enseignants, c'est quoi donner un sens à son enseignement Je vous laisse répondre ou mijoter sur la question. Qu'est-ce qui est donné un sens à son enseignement, pour soi-même ou pour celui qui apprend devant nous? Évidemment, l'école, l'institution a un enjeu. Et je pense, que vous l'avez mentionné, l'Université de Montpellier vise l'excellence à tous les niveaux, au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche, et ce qui fait la renommée d'une université. Et si j'introduis de nouveaux programmes pour permettre le développement, je progresse et j'excelle. Et ça, c'est important. Il y a aussi une pression de nos accréditeurs. Est-ce que les gens qui attendent ces nouveaux diplômés trouvent qu'ils ont la formation, les compétences nécessaires pour y répondre? On vit souvent, et je le dis moi-même comme enseignant, j'aime enseigner les choses qui me plaisent. Mais est-ce que ça, c'est nécessaire à l'étudiant de demain? Vous savez, faut développer un programme, c'est une boule de cristal. Ce n'est pas mes anciennes... Mes anciens attraits ou mes anciennes connaissances qui se jouent, c'est les connaissances de demain qui devront être, être utilisées. Ça fait mal comme prof, mais c'est la réalité. Alors cette pression, évidemment, il y a un défi qui se pose. On a une approche qui devrait être centrée sur l'étudiant plutôt que centrée sur l'enseignant. C'est ce qu'on a toujours connu. Et d'ailleurs, centrée sur l'enseignant existe depuis mille ans. Peut-être qu'il est temps un peu de changer comme tel. L'apprentissage contextualisé, on parle de pédagogie active, l'utilisation de l'environnement numérique. Dieu sait qu'on a utilisé cet environnement au cours des deux dernières années et pas toujours avec beaucoup de plaisir. Mais on l'a utilisé pour une transmission des savoirs. Mais quand on parle d'environnement numérique, on parle aussi d'accès à l'information. On n'a pas besoin vraiment d'aller à la bibliothèque, on l'a sur l'ordinateur et d'aller chercher l'information. D'ailleurs, petite connotation. APP, apprentissage par problème, avant l'ordinateur, quand on a démarré, il y avait toujours des ordinateurs chez nous, mais on a démarré dans les années 90. Les étudiants ne possédaient pas tous un ordinateur. C'était encore à la main on faisait des résumés. Et après les tutorats, les étudiants devaient échanger les documents qu'ils avaient écrits. Les étudiants n'appelaient pas apprentissage par problème, apprentissage par photocopie. C'était leur nouveau mot pour eux. Évidemment, une approche programme des équipes pédagogiques. Et quand on pense approche programme, c'est un peu comme avoir le menu gastronomique. J'ai fait un choix comme institution à proposer les éléments de base qui devraient être nécessaires à la réussite d'un candidat dans toute discipline et pas nécessairement à la pièce. Ce qui demande des équipes à coordonner le tout. Évidemment, un enjeu, développer de nouvelles compétences. Comment je développe un cours sur le leadership, un cours de 45 heures sur le leadership et cette personne devient leader, peu probable. Même la communication, je peux connaître des bases de communication, mais je développerai la communication à l'exercer, la communication. Donc, il faut penser dans ce sens-là et développer. Évidemment, les nouvelles approches. Vous en avez fait une démonstration. Je forcerai pas la note en vous mettant en petits groupes et de réfléchir. Mais évidemment, ces approches sont loin d'être nouvelles. Vous savez, on parle de euh, cette introduction formelle dans le milieu universitaire, mais c'est Dewey dans les années 1900 qui introduit. Et Dewey, c'est la personne qui fait la classification euh, dans les bibliothèques. C'est lui qui introduit auprès des jeunes une approche et son thème était learning by doing. Alors, c'était clé. Et c'est, ça remonte il y a plus d'un siècle. Et d'autres chercheurs en pédagogie, même français, ont développé dans les années 40. Alors, pourquoi changer? C'est pas des, <coughs> on pourrait faire une longue liste, on pourrait s'asseoir en groupe et déterminer le pourquoi changer. Je pense qu'il y a des enjeux de société qu'on reconnaît. Notre société a changé. Répondre aux besoins, et je parle de répondre aux besoins des étudiants dans leur formation. Répondre aussi aux besoins des enseignants. Comment enseigner? C'est une nouvelle formation. Vous en parlé. J'ai vu, évidemment, et j'ai rencontré les gens des sciences du bois et de la licence. C'est un défi de taille. On regroupe mécanique, chimie, biologie, tous dans un programme. Et les étudiants m'ont dit, je suis inquiet parce que je fais du touche à tout. Ben, peut-être c'est ça qu'on a besoin pour demain. Un touche à tout et certains spécialistes. Alors, ils avaient une inquiétude à savoir s'ils pourraient réussir plus tard. Et je les ai rassurés car ils seront un hub, ils seront une plaque tournante pour des équipes à venir dans les sciences du mois. Évidemment, on critique euh, certains systèmes existants et je pense à la chose suivante, mes étudiants n'écoutent pas, ils ne viennent pas au cours et qu'est-ce qu'on fait pour changer? On continue à donner le même cours? J'ai un problème. Alors, l'avenir nous réserve quoi? Je voulais mentionner l'environnement numérique au-delà, évidemment, des, des sessions sur Zoom qu'on a connues avec beaucoup de plaisir, ou presque. Mais c'est l'accès à la technologie, l'accès au savoir qui est, notre, qui est disponible, et ces choix pédagogiques de nouveaux modèles, et je pense une des choses qu'il faut retenir, apprendre à apprendre. C'est ce que je veux donner à l'étudiant. Je veux qu'un étudiant me dise, ah, j'ai pas la réponse, mais demain, je l'aurai pour vous. C'est pas grave si on a pas la réponse d'un coup. Mais je sais qu'il y aura la chercher. Il aura la confiance aussi d'avoir une bonne réponse. Alors, c'est un nouveau modèle. Alors, des facteurs à considérer. Pour l'enseignant, ces changements sont-ils concordants avec sa carrière? Oh, point un peu difficile. D'ailleurs, je vous remercie grandement de reconnaître la pédagogie. Généralement, on reconnaît des chercheurs et leurs recherches. Je ne veux pas minimiser mon collègue, mais, mais je pense que de votre reconnaissance me fait encore, je vous le dis, chaud au cœur, de faire cet investissement. Parce que quand j'ai démarré ma carrière à faire de la pédagogie active, plusieurs de mes collègues m'ont dit « Mais t'es fou, tu vas te ruiner, tu seras un inconnu. » Et mon Dieu que ça a changé et que j'en suis fort heureux. L'institution et l'école, l'investissement est-il au rendez-vous? Oui, il y a des coûts, mais il y a un coût de société à bien former des gens. Il faut y réfléchir dans ce sens-là. Oui, je sais, j'ai été un administrateur d'université et je sais qu'est-ce que représentent les coûts. Mais il faut arriver aussi à dire, je fais un investissement dans certaines sections ou certains secteurs de mon université pour son développement. Pour les accréditeurs, euh, évidemment... C'est quoi leur seuil d'acceptabilité Est-ce qu'ils veulent avoir la personne formée pour IBM à la sortie ou vouloir avoir un informaticien qui a une versatilité qui lui permettra de travailler dans différentes branches Et finalement, encore la perception des entreprises sur nos formations. Alors encore, merci. Euh, C'est juste un point. Si on progresse en recherche, pourquoi pas en pédagogie et ici, c'est un, un de mes collègues de Louvain, Benoît Rossin, où on oublie souvent dans la structure et dans la considération de faire un programme d'aligner les objectifs d'apprentissage, l'évaluation et l'activité. Sinon, ça passe pas. C'est important. Alors, je vous remercie grandement de, ce, de cet honneur. Merci, Monsieur le Président. Euh, cher président, donc nous allons donc, excusez-moi de l'expression, euh, remettre le couvert pour cette fois-ci euh, mettre en lumière mon illustre collègue et chum Yves Bergeron. Euh, donc c'est encore une fois pour moi donc euh, une très grande fierté d'être euh, là, cher Yves, pour cette distinction qui t'honore et qui découle de notre longue collaboration scientifique, mais également dans le domaine de la formation, donc de, depuis plus de 15 ans. donc... Euh, euh, contribuant donc humblement au rayonnement de nos universités donc euh, euh, respectives. Donc cette euh, collaboration s'est cristallisée en 2017 euh, par la création donc l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, donc l'UQAT, euh, par le laboratoire international sur les forêts et froides, euh, car il fait drôlement fret au Québec. <laughs> Ce laboratoire a été labellisé et soutenu par l'université de Montpellier. Donc, je tiens aussi également à remercier donc le président, et notamment euh, au travers donc d'un dispositif universitaire en partenariat international, donc euh, encore un petit acronyme, du PI, afin de nous aider à structurer notre collaboration dans euh, les domaines de la formation et de la recherche. C'est très important donc de, de remettre en perspective ce soutien, car euh, c'est très important donc quand on est euh, en l'occurrence ici euh, soutenu et en tout cas euh, euh, je dirais euh, porté par son euh, par son université. Donc c'est euh, notamment grâce à ce dispositif. Donc je tiens très chaleureusement à remercier donc Patrick Caron donc le, le VP relations internationales et l'ensemble finalement de l'équipe autour donc de ces relations internationales de l'université de Montpellier. Donc euh, c'est grâce à ce dispositif notamment que euh, l'année prochaine donc euh, je vais rejoindre Lucat. donc dans le cadre d'une délégation universitaire. Je regarde euh, je vois le regard euh, fusilleur donc euh, du doyen. Donc je tiens donc ici à remercier euh, madame la vice-rectrice à l'enseignement à la recherche et à la création donc euh, madame Manon Champagne donc euh, de l'UCAT et au président donc euh, Philippe Auger de rendre cette mobilité possible. Merci beaucoup. Donc, euh, à ce stade, cher public, euh, même si, bon, que je sais que tu n'aimes pas trop ça, mon, mon Yves, qu'on euh, euh, qu égrène finalement donc, euh, quelques chiffres, je dirais même qu'on égrène donc, un chapelet béni donc, euh, adossé finalement <laughs> à, ces, euh, à ces chiffres et, et qui euh, met en avant finalement la dimension scientifique. Hein de tes activités de recherche. Donc, tu as été embauché à l'ucam en 1985. Donc, tu avais à cette époque 29 ans, si je m'abuse. Donc, qui faisait de toi à l'époque le plus jeune professeur recruté dans le réseau des universités du Québec. Déjà, tu commençais fort, mon cher ami. Par la suite, tu décides de rejoindre l'UCAT en 1998. Car comme tu me disais souvent pour rire, c'est en Abitibi qu'on trouve les vraies forêts, pas à l'UCAM. Te voilà donc à la fois professeur donc à l'UCAM et à l'UCAM. Je vous rassure, il ne touche pas un double salaire. Je n'ai pas vérifié, mais... bon. <rire> Hélas. <rire> donc, <rire> donc tu as comme thématique de recherche d'écologie forestière en zone boréale. Donc je ne vais pas revenir. Sur euh, ce que c'est la forêt boréale, je serais trop long. Mon ami, euh, je dirais donc Jean-Michel a déjà expliqué l'importance donc de ce biome. Donc avec comme finalité la préservation de ce biome donc qui joue un rôle majeur dans le fonctionnement donc euh, climatique de la planète. Donc tu es quand même classé comme euh, en, en, termes de, 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 en termes scientifiques comme le quatrième dans en quatrième rang pardon au niveau national donc au Canada et 70e donc au niveau mondial euh, donc d'après euh, une base de données euh, reconnue euh, dans ce domaine-là euh, au niveau de l'écologie et de l'évolution donc ce qui euh, positionne véritablement ta stature scientifique sur le plan international encore quelques chiffres euh, plus de 600 articles. Juste, Yves, tu incarnes, on pourrait qualifier 6 chercheurs à toi tout seul, en termes de carrière. 50 doctorants. Il n'aime pas que je fais ça, mais. 40 postdocs, dont votre humble serviteur aujourd'hui. Donc tu es titulaire d'une chaire de recherche du Canada en écologie et en aménagement forestier, durable. Et obtenu en 2014 le médaille, la médaille pardon, Miroslav Romanansky de, de l'Académie des sciences euh, de la Société royale du Canada. En 2010, tu deviens membre de la Société royale du Canada. Et en 2017, tu as reçu le prix Marie-Victorin, qui est le prix scientifique euh, euh, des Prix du Québec, destiné aux sciences naturelles et en génie, la plus grande distinction scientifique décernée aux chercheurs du Haut-Québec. J'ai envie de dire tu pourrais péter la broue. Mon cher Yves. Mais non, Yves et la broue, ça fait deux et il n'a rien contre la bière, hein, mon cher collègue. Cher ami, cher collègue et cher étudiant. Donc je vais maintenant m'éloigner de ce palmarès donc de chiffres vertigineux pour vous conter une première petite anecdote. Je commence. En 2010 Yves et un collègue donc, de l'université de Rimouski nous accueillent dans le cadre de nos activités scientifiques pour faire un bilan de nos travaux annuels et toute la patente qui va avec. Au sein de la délégation française, il y avait un peu d'eau dans le gaz et je pèse mes mots. Ça finit par exploser. C'est-à-dire qu'on on a un gros pétage de coche et on s'est chicané en public. Devant tout le monde. Et je peux vous dire que euh, nos collègues québécois sont restés, sont sont restés l'air bête. C'est assez fréquent en France qu'on publie qu on, qu on... ce type de, de passe d'armes. Hein, entre collègues, <laughs> surtout dans le sud. <laughs> Mais euh, au Québec, on a plutôt tendance à se garder une petite gêne. Ils ont failli partir en courant, nos collègues québécois. Ces Français furieux, donc on pourrait même les qualifier de maudits Français. Et donc merci Yves et euh, d'avoir attendu patiemment que certains différents euh, entre nous se règlent paisiblement et que ça nous a permis malgré tout donc de poursuivre nos travaux de recherche jusqu'à maintenant. Une autre petite anecdote, celle-là est assez remarquable. Je vous promets. En 2005, donc j'arrive à Lucat complètement, je dirais, enthousiasme pour ma recherche, etc. Donc je rencontre des chercheurs donc, de Lucad me... et je leur explique mon projet. Et là, ils m'ont dit, mais fais attention, mais tu vas te faire bouffer par des bibites dans les tourbières. Et là, je leur dis, mais des bibites, c'est quoi De quoi ils me parlent Des bibites, ce sont des affreux insectes hématophages. Bon, les biologistes, on les appelle quoi hein Des moustiques, au final. <laughs> Ou des maringouins. Hein donc, euh, donc, par la suite, c'est pas fini. Je me retrouve à Montréal. Et là, je fais la connaissance, en déambulant dans, sur Sainte-Catherine, les foufounes électriques. Mon Dieu. À quoi cela correspond On me dit, c'est le meilleur bar. De rock par excellence de Montréal. Un véritable hommage à celles et ceux qui savent et qui aiment danser. C'est important. Voilà. Bon, je vais arrêter ici mes petites anecdotes, Je hein, Je vais pas aller plus loin. Pour revenir au caractère sonnel, finalement, de l'événement. Yves, euh, je suis très heureux et je remercie, euh, mais grandement l'Université de Montpellier euh, et sa présidence, pardon, d'avoir reconnu ton talent, ton esprit critique et visionnaire au service de la communauté scientifique. En te décernant donc ce titre de docteur Oniris Causa, pardon, donc tu resteras pour moi un éternel modèle. Ton humilité et ton caractère humaniste d'honneur, mon cher ami. Bienvenue à l'université de Montpellier. Merci encore, cher Yves. Écoutez, avant de commencer le, la présentation, écoutez, je suis, je suis très, très honoré d'avoir l'Honoris Causa d'une université, une grande université française prestigieuse. En fait, je, je vous dirais que je suis un peu intimidé, mais dans le fond, je devrais pas être intimidé parce que, que deux Québécois euh, qui oeuvrent dans la plus jeune université euh, du Québec euh, réussissent à être… Euh, euh, nommé honoris causa d'une université comme l'université de montpellier ça démontre comment le Québec a évolué de façon euh, euh, très très rapide euh, au 20e siècle euh, au niveau de, euh, de l'enseignement supérieur bon j'ai euh, voulu vous mettre un peu en contexte euh, la, les, les travaux qui ont été faits en collaboration et le développement de euh, de ce qui a été fait entre le, le Québec et puis euh, l'université de Montpellier, euh, Monsieur le Doyen a fait une présentation, une introduction euh, excellente sur la, la, forêt, la forêt boréale, euh, qui est euh, une des grandes forêts euh, de, euh, de la planète et qui, qui joue un rôle important. Je reviendrai pas euh, là-dessus, mais un réservoir du carbone, de l'eau, etc. Et euh, comme vous pouvez le voir, la, la Forêt oups. Passe, passe un peu vite. La forêt boréale est, euh, est énorme et le Canada et le Québec euh, en ont une immense partie. Euh, ici, ce que je voulais vous démontrer, c'est que cette forêt-là, euh, euh, depuis peut-être les années 70, ici, c'est une, une photo de, une, une photo à satellite euh, des, du nord du Québec. Euh, vous pouvez reconnaître, pour ceux qui connaissent le lac Mestassini. À, à l'ouest, et puis le, le réservoir euh, Manicouagan euh, du côté euh, est. Euh, depuis les années 70, on s'est donné des moyens d'exploitation de cette forêt-là qui sont euh, euh, beaucoup plus importants que ce que nos pères et nos grands-pères avaient connu. On a une mécanisation importante. Et ce qu'on voit ici, c'est le front de coupe du sud vers le nord, où on a… Euh, Finalement, transformer la forêt boréale, euh, particulièrement en la rajeunissant, euh, en, en allant peut-être un peu plus vite que la nature, parce que ce qui est en, en turquoise sur la sur la sur la photo, c'est les incendies forestiers. Donc, c'est une forêt qui est perturbée, oui, par des incendies forestiers importants, mais qui a commencé à être perturbée par l'homme d'une façon qui dépassait, si on veut. Euh, possiblement la capacité de support que ces écosystèmes-là peuvent avoir. La, le principal changement, c'est le rajeunissement de cette forêt-là. On, on passe d'une forêt où on avait des, des arbres qui avaient 200, 300 ans, des forêts qui n'avaient pas brûlé depuis des milliers d'années, à une forêt qu'on veut, si on veut, normaliser à 70 ans ou à 100 ans, qui est l'intervalle entre les, les coupes forestières. Et donc, euh, une des problématiques qui est importante, c'est que on transforme cette forêt là, et on perd beaucoup ce qui est associé aux vieilles forêts, aux forêts anciennes. Et ça, ben, ça a levé un drapeau important sur le maintien de la biodiversité et sur la capacité des forêts à pouvoir se, se maintenir. Euh, on s'est réveillé. Euh, en 95, le, le, les ministres des forêts au Canada se sont rencontrés. On dit, il eh, faut changer le, la façon dont on fait les faire. On fait les choses parce que si on change pas, euh, on s'en va vers euh, une problématique. Donc, on, on est arrivé avec euh, l'aménagement forestier durable et on a fixé des critères euh, à cet aménagement-là. On devait maintenir la diversité biologique, les cycles écologiques pla planétaires, etc. Et euh, les, euh, les, euh, les scientifiques ont été impliqués dans ce mouvement-là, euh, dans le cadre d'un réseau de centres d'excellence, et euh, ont mis de l'avant le fait que ce qu'il fallait qu'on qu essaie de faire, ou une des façons qu'on devait aménager la forêt, c'est d'essayer de l'aménager de la même façon dont la nature l'aménageait. Et la forêt boréale, on est chanceux jusqu'à un certain point, c'est une forêt qui perturbé de façon assez dure, c'est des incendies forestiers, c'est des épidémies d'insectes. Donc, l'aménagement forestier en soi, sans être la même chose, peut y avoir des, peut se rapprocher. Donc, euh, euh, l'ensemble d'un réseau important de scientifiques au Québec euh, et au Canada a développé cette nouvelle approche qu'on appelle l'aménagement écosystémique, qui est un aménagement. Ici, on a mis une définition dans dans un livre qu'on a. On avait publié sur l'aménagement de la forêt boréale, qui est une définition un petit peu, euh, comment on pourrait dire, euh, euh, fonctionnelle de comment on peut y arriver. On a la nature qui fait quelque chose d'un bord, on a ce qu'on peut faire avec l'aménagement, comment on peut réduire les écarts, tout en sachant qu'on fera jamais la même chose que ce que la, la nature a fait, et tout en, tout en sachant qu'il y a des contraintes économiques et des contraintes sociales qui font qu'on doit trouver des solutions. Bon, moi j'ai commencé, là j'arrive avec, avec le, le lien avec l'Université de Montpellier, qui est très important. Moi j'ai commencé mes travaux en essayant de reconstituer l'histoire des forêts, comment elles avaient été perturbées par les feux, comment elles avaient été perturbées par les insectes. Et l'approche qu'on a prise, c'est d'interroger les arbres. Donc la dendrochronologie, où on peut aller voir dans les climats qu'on a, on a des saisons, donc on a la possibilité de reconstituer comme un horloge ce qui a pu se passer. En termes de de, de 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 croissance des arbres et puis on peut âger les arbres etc. Donc on, les feux laissent des cicatrices. Donc on peut avoir une idée de ce qui s'est passé. Euh, mais notre limite c'est l'âge des arbres. On, peut arrêter, on ne peut pas aller plus vieux que l'âge des arbres. Donc on va aux 300-400 dernières années. Mais les 300-400 dernières années par rapport aux 10 000 ans ou aux 15 000 ans de l'Holocène c'est c'est peu. Et donc, ce qu'on voulait, c'est une profondeur plus grande. On voulait pouvoir avoir une reconstitution plus longue des événements. Et c'est là où on a commencé à collaborer ici avec le groupe en paléoécologie de l'Université de Montpellier, et où on a réussi avec des travaux qui, qui visent à, à regarder à travers les sédiments, l'acus ou d'autres types de sédiments, reconstituer les feux, la végétation, le climat, et essayer d'avoir une perspective plus large pour pouvoir donner des guides euh, aux aménagistes forestiers. Je passe ici. Et euh, les, les, il faut reconnaître euh, l'origine. Euh, J'ai mis ici le, le nom de pierre Richard, qui est un des paléoécologistes euh, très très connus au, au Québec, qui a fait une carrière, qui est maintenant à la retraite, et qui avait fait son doctorat à l'Université de Montpellier euh, entre 68 et 1971, un doctorat d'État euh, qu'il qui avait fait. Et euh, euh, avec Pierre, qui, qui est un peu un, un mentor au, au, au Québec, on a eu un premier stagiaire postdoctoral qu'on avait rencontré à Osoi dans une dans une conférence, qui était Christopher Carcaillet, qui a été le premier postdoc à venir au, au Québec. Et bon, ben il a publié avec nous un article sur les changements dans les les feux, mais pour les euh, presque les 8000 dernières années. Dans la, la région du Québec. Et ça, c'était une initiation. À l'époque, ce euh, qui existait à l'Université de Montpellier, c'était l'unité mixte euh, du Centre de bioarchéologie et d'écologie. Et on a démarré un groupe qu'on a appelé mont C'était Ce n'était pas les forêts froides, c'était les montagnes et la forêt boréale. Et euh, il y a un massif forestier, qui un massif qui s'appelle le mont Donc, on, on a trouvé un, un nom. Et j'ai eu la chance, moi, de passer une année à Montpellier, euh, à l'institut botanique, euh, qui est un endroit, qui est un endroit exceptionnel, malgré les petits problèmes d'électrique, de chauffage et de sanitaire. Mais euh, pour, pour tout le reste, c'était, c'était un endroit qui était exceptionnel. Bon, et suite à ça. Avec l'arrivée de, avec l'arrivée d'Adam, le développement, euh, on a eu le développement maintenant du réseau international ou le laboratoire international sur les forêts froides, qui euh, nous permet de continuer les collaborations euh, entre plusieurs universités du Québec, mais la maison mère étant la plus petite, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l'Université euh, et, et le, le, de Montpellier. Euh, bon, ben, C'est un projet de, où il y a à la fois de, de la recherche, mais aussi beaucoup de, de coach de thèses. On a un programme en bidiplomation avec l'Université de Montpellier au niveau, au niveau du, euh, du master. Euh, donc, il y a plusieurs a activités qui sont liées au laboratoire euh, sur les forêts froides. Euh, le laboratoire n'est pas juste Québec-France. On a euh, des liens internationaux avec la plupart des pays. Euh, qui touche les forêts, les forêts froides, euh, que ce soit de, de, de la Chine, euh, l'Islande, la Norvège, etc. Euh, on a aussi un accès extraordinaire, en plus d'être un laboratoire virtuel de recherche. On a des laboratoires euh, concrets à la forêt d'enseignement de recherche du Lac du Parquet, qui est une forêt qui est associée à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université du Québec en habitivité témiscamingue un territoire de 80 kilomètres carrés, où on conserve en partie les forêts, mais où aussi on fait de l'aménagement forestier. Comme universitaire, on, on fait de l'aménagement forestier pour mieux comprendre comment euh, ça se fait et pour mieux guider euh, les, 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 les gouvernements ou les compagnies qui s'en occupent. Et on a un laboratoire d'endrochronologie de, et un laboratoire de paléoécologie. Bon, je voulais en profiter aussi pour féliciter mon mon collègue Yves Moffette, parce que dans le fond c'est une c'est une association de longue date. Vous voyez en Abitibi en 87, j'ai été obligé de mettre les noms. Yves il est facile à, à, à reconnaître, mais moi j'aurais été peut-être un petit peu plus difficile à, à reconnaître. Et puis, à cette époque-là, on se disait, ben, dans le fond, si on fait quelque chose, peut-être qu'on aura un honoris causa. Hein. <laughs> Et puis, Yves, je te félicite. Puis, vous pouvez voir par cette haute diapositive qui vient de Toulouse, je pense, que Yves, avec un béret, se confondrait assez bien avec les, <laughs> les autres personnages. Et j'aimerais terminer en Bon, c'est derrière un petit homme, c'est 180 cm, j'ai été obligé de le dire pour la, pour la toche. Euh, se cache une grande femme, puis je voulais remercier Francine, puis qui est ici, puis qui euh, est, euh, a regardé un pain sans brou dans les Alpes-Maritimes, qui était euh, vraiment exceptionnel comme, comme, comme grandeur. Et euh, Francine a été ma patronne comme doyenne pendant. Donc, j'avais une patronne le jour, une patronne le soir. <laughs> Et euh, maintenant, elle est, elle est retraitée et très heureuse. Bon, bien, merci à tous. Et je voulais répondre à Yves sur une des choses c'est que j'achète à 100 000 à l'heure l'importance de la pédagogie, mais je voulais juste passer le message que la recherche, c'est une formation qui mène pas juste à devenir chercheur, mais qui mène à devenir plein d'autres choses. On apprend en faisant la, en faisant la, la recherche. Et on a beaucoup de nos étudiants qui ont fini des doctorats, qui ont décidé d'aller comme gestionnaires et que ce qu'ils avaient appris dans la, dans la démarche de la recherche leur a beaucoup servi dans le, dans le milieu. Donc, sans, sans dire qu'il il faut juste faire de la recherche, c'est pas ça. Je pense que les deux sont importants, mais il faut voir aussi que la recherche peut mener à plus que faire uniquement de la recherche. Merci beaucoup.

Je suis professeur au Québec, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et à l'Université du Québec à Montréal. Et mon domaine de spécialité, c'est l'écologie forestière et l'aménagement forestier. Je collabore avec l'Université de, de Montpellier depuis 20 ans. Euh, ce qui nous a amenés à travailler ensemble, c'est la grande expertise qu'il y a ici à l'Université de Montpellier dans le domaine de l'écologie et particulièrement de la paléoécologie, donc de la reconstitution de ce qui a pu avoir dans le passé dans la végétation et les perturbations naturelles, autant dans les forêts boréales que dans les forêts de montagne, donc on travaille sur les forêts froides. Et cette information-là est très pertinente pour l'aménagement des forêts au Canada et des forêts boréales en général. Euh, parce que ce qu'on essaie de faire maintenant avec euh, la nouvelle approche forestière, c'est de reproduire jusqu'à un certain point les mécanismes, les processus qu'il y avait naturellement dans les forêts par le passé. Donc notre connaissance du passé nous permet de mieux aménager et d'anticiper les effets futurs euh, que pourraient avoir les changements climatiques, par exemple. Mais en fait, peut-être avant de répondre directement à votre question, je vous dirais que la collaboration avec l'Université de Montpellier s'est surtout faite et se fait surtout euh, avec des étudiants, soit en co tutelle de thèse ou euh, euh, au niveau de, du, du master. Et qu'est-ce que je peux dire aux, aux étudiants? C'est, euh, écoutez, allez dans ce qui vous, qui, qui vous enthousiasme. Et euh, si vous faites ce qui vous enthousiasme, euh, il y aura une place pour vous, puis vous allez pouvoir continuer à faire ce que vous aimez. Mon nom est Yves Moffett. Je suis professeur au département de sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, et ça depuis 1986. Euh, je dois dire que ma spécialité était les interactions plantes-insectes, mais j'ai malheureusement, non, je ne peux pas dire malheureusement, j'ai dévié vers les interactions professeurs-étudiants, et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Le, ben, le lien débute en 2016. Euh, C'est Adam qui m'approche pour revoir ou de discuter sur la pédagogie comme telle et lui était familier avec la pédagogie qui se faisait à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et il m'a invité dans un premier temps cet automne à, à essayer de susciter un intérêt de changement de la pédagogie à Montpellier. Et après de maintes rencontres et même après une venue euh, à l'UCAM, s'est euh, développé justement deux programmes. Dans un premier temps, un programme de licence en biologie, qui est un peu un modèle semblable au nôtre, euh, le même type d'approche, qui est l'apprentissage par problème. Et ensuite aussi, s'est développé un master en sciences du bois, toujours avec cette approche. Et j'ai pu euh, continuer à venir, et même dans le temps de la COVID, faire de nombreuses vidéos de Zoom avec les collègues. Donc, euh, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens en vidéo. Bien, je pense que la chose première pour un étudiant, c'est d'avoir confiance en ses moyens, c'est ce que je lui dirais et avec le temps il devrait aller le chercher. Et un étudiant pour moi formé, c'est un étudiant qui dans une situation nouvelle dira "j'ai pas la réponse mais demain je l'aurai" et là je l'ai formé pour toujours.